Et bonjour à tous, et on se retrouve pour la suite de ce let's play d'Harvest Moon. Alors, huitième jour de l'automne. Ok, alors oui, ce matin, donc, enfin la suite de l'épisode d'hier, j'ai été chop-chop tout un tas de bois, donc j'en suis à plus de 500, c'est parfait. Ah oui, bah tiens, d'ailleurs j'ai oublié d'aller changer mes outils. On va aller faire ça, on va aller prendre la brosse et notre truc. Et donc, ouais, bah j'ai... suffisamment de bois pour faire l'upgrade de maison, donc on ira faire ça après. Tac. Comme Mouro lui-même me l'a suggéré, c'est vrai que c'est plus intéressant au niveau de l'étable de faire brossage, voilà, plus parlage en premier. Vu que ça augmente des points de bonheur. Oh la salope. Désolé, c'était pas personnel cette insulte, c'était envers ta vache qui s'est honteusement barrée. Qui étais-tu? Qui est la deuxième vache? Ah, c'est Adi. je crois de mémoire. Ça c'est bon, ça marchait. Ouais. Et ben Adi, tu es puni. Je vais te brosser voilà comme ça. Voilà, non mais oh. Donc du coup, oui, pour revenir à ce que je disais, c'est plus intelligent de faire la montée en bonheur et la traite après, si jamais on monte le niveau de bonheur, entre guillemets, pour atteindre un lait supérieur. D'ailleurs, Uro a atteint le medium milk qui se revend 250, hein, je n'avais pas précisé. D'ailleurs, je me suis fait un petit tableau avec toutes les dates de naissance, les dates au passage adulte, les dates au passage milk medium, etc. Par exemple, Adi passera adulte le 11, voilà. Donc j'ai mon petit tableau, je suis bien content, c'est bien pratique. Et je me la paye. J'ai bien nourri là parce que je raconte des bêtises et tout. Et donc voilà, la petite suggestion du gros était fort pertinente. Voilà. Tactique touc. Les poupoules. Non, bah, je vais laisser les poussins. On va rester comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Hop. Et quel jour on est-ce? Vendredi. Ok. On va aller directos voir les charpentiers. Enfin, menuisier, précisément, je pense. Charpentier, menuisier, les deux, sûrement. Pour leur demander. Donc, du coup, ils passeront demain. Prendre le petit rendez-vous. C'est celui-là qui est dans la baraque, je me souviens. Yes, je crois que c'est lui. Veux-tu agrandir ta maison? Oui, ok, j'irai te voir demain matin. Parfait, merci bien. Heureusement qu'on est là pour leur filer du boulot, parce que j'ai l'impression qu'ils en glandent pas une. Au passage, une petite revente de champignons. Sûrement un champignon hallucinogène, je pense, hein. Vu le prix auquel on le revend, je crois qu'il y a quelque chose de matière illégale là-dedans. J'ai peut-être en donné à Uro et même faire du space milk. Pourquoi pas? Peut-être que je pourrais le vendre 600, un truc de fou. Voilà. Et donc, ouais, en faisant mon petit tableau avec les vaches, je me suis rendu compte en fait que j'avais... Un gros moment, en fait, on a acheté le Ouro le 8, et on a acheté notre seconde vache que le 20, après 20, 21, 22, etc. Qu'on les a bien enchaînés. Aujourd'hui, on se fait du LSD à fond, là. Pourquoi pas? De toute façon, on n'a rien de mieux à faire. Ça nous fait toujours un petit peu de pécule. D'autant que... ouais. La baraque va être à 10 000, je crois, donc ça fait un sacré investissement. Je croyais que 3 c'était le maximum, et j'ai l'impression qu'on va avoir le temps pour un quatrième. On essaie, juste pour voir, juste par curiosité. Ah non. Nananay. Il est déjà quelle heure, là? 5. Non, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, ça sert à rien de le ramener. Le gaz sera déjà passé pendant les petits chargements, là. Ok, 3, c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, il fait déjà nuit.
Ok. Tac, tac, tac. Aussi, j'ai regardé la petite fille qui était venue nous réclamer un œuf. Ça nous a filé 30 de bonheur. C'était que ça, en fait. C'est pour ça que je me rappelais pas. J'ai été vérifié. Ici. Non, mais non, mais non, mais non, c'est plus là. Hop. Hop. Ah, une bonne récolte aujourd'hui. Et ben, ça veut dire que le reste va pas tarder. C'est, je l'avais planté quelques jours après, il me semble, tout le pourtour là. Ouais, je suis pas tout à fait au milieu, mais ça passe. Ouais, ça te fatigue, mon petit bonhomme. Ouais, je sais même pas si on va pouvoir en faire en une fois le la grosse plantaison qu'on avait faite là. On verra bien. Ouais, ça te crève, hein. Ouh. Déjà, en fait, finalement, faire ça en un coup, ça serait déjà bien. Là, tu me parais un peu limite. Oh, ouais, non, ça va le faire, mais ouais, limite. Limite, limite, ça demandera un petit passage. Un petit passage à la source. Ok. Voyons voir nos réserves. 644, ça c'est bien. Ouais, j'ai compris. Parfait. Et je vous montre pour le bois. 542. J'ai bien travaillé. Je sais pas, j'ai fait 7-8 allers-retours. Enfin, 7-8... 7-8 cleaning de montagne, à peu près. Et demain, on est samedi. Oh non! Oh non! Il pleut! Putain de salope! Oh non! Putain, je suis dégoûté. Vas-y. Ah, heureusement que t'es là, toi. 10 000, bah ouais. Vas-y, prends ton argent. Ok, commencerons demain. Oh non, c'est le seul jour où Eve et on peut faire le glitch, c'est le samedi. Oh fuck. Oh, je suis dégoûté. Bah, et vu qu'il pleut, BBN ne sera pas là. Oh non. Bon, je vais arrêter de rager. Oh, c'est embêtant. Bah, faudra attendre samedi prochain pour faire le glitch. C'est dommage. Hop. Aujourd'hui, tu restes tranquille. Ah, oh, c'est dommage. J'étais bien content de vous montrer le petit glitch, là. Hop. Dommage, dommage. Hop, à manger, et on va, la petite traite, la bulle au nez d'Ouro qui passe à travers son coin des tables. Oh, c'est dommage pour Eve, pouf. Au pire, on pourra, le second glitch que je croyais être au printemps est en fait en hiver, donc ça sera quand même bon pour le mariage en hiver. Mais ouais, c'est dommage, je voulais vous montrer. Il va falloir attendre la semaine prochaine. In-game en tout cas. IRL, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'on fera 7 jours. Ouais, si, bah la semaine prochaine aussi, en fait, à peu près. À peu près. Tic tic tic. Bon, on va aller chercher du LSD. Du coup. Rien de mieux à faire. De toute façon, on peut pas monter. L'affection d'Ève autrement. Donc voilà. Pas grand chose à faire, à part couper notre paille et ramener quelques champis. Plutôt monotone. Oh, je suis plutôt triste. On est quel jour? On a dit 9. Et donc, après, il y a le premier festival de ce mois qui va débouler. Et à partir du 10, enfin, ça sera le 12. Et à partir du 10, on va pouvoir faire un petit quelque chose de plus. On verra bien ça. Bah, demain, du coup, le 10. Bah, parfait, on va au moins voir ça. On finira peut-être même avec le festival. C'est pas impossible. C'était le deuxième, j'ai le temps d'en faire un petit troisième. Bon, bah ouais, 200, ça fait quand même 600, plus le milk.
850 plus les 4 œufs, tu tues 1050, si je dis pas de bêtises. Si on arrive à suffisamment tôt, bah oui, on arrive, je suis bête. Lol. On arrive forcément suffisamment tôt pour déposer le machin. On va pas rentrer, on va voir. Est-ce que, bah non, du coup, j'ai rien. On va juste attendre, je vais même accélérer. Voilà. 1050, yes! Juste pour vérifier mon petit calcul. Ça nous fait quand même pas mal, hein. On est loin d'être ridicule. Tac, 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 c'est ça que je voulais. Quand on compare avec notre autre journée à 3000, 5000, là, on fait, voilà, on fait pas grand chose, en fait. Je vois pas bien. Ah, si, ok. Avec la pluie, c'est... C'est vrai que ça... Nique les... Ah, mais... Ah, c'est horrible. Et j'accélère pas, là. Hein. Ah, je vois rien. Je suis désolé. Ah, ouais, c'est pas ce que je pensais. Qu'est-ce que quoi? C'est pas bon, ça? Si. Ah, cette pluie de nuit est juste agressive au possible. Ah là là. Et... Bon, là, c'est notre gros... notre grosse récolte. Hein. 9 jours, ouais, pour l'herbe. Donc, on refera la même le 18, c'est ça. Nickel. Bon. Ouais. Va-t-on pouvoir finir? Je ne crois pas. En plus, j'ai fait plein de... Ouais, bon, bah, hop! Direction... Ah, oh, c'est horrible, je suis vraiment désolé. Ça file vraiment mal au crâne, hein. C'est joli, cela dit, mais faut pas bouger. Et faut surtout pas accélérer. Surtout pas. Ah, dommage pour Eve. Donc, tuc tuc tuc, quand... Quand il fait beau, elle traîne ici et on peut lui parler, on peut glitcher. Voilà, elle est pas trop de sortie, hein. Tu m'étonnes. Désolé. Fermez les yeux, voilà, vous pouvez ouvrir. Ah, sans déconner. Zou. Je suis curieux de voir à combien on va passer en réserve de Popeye, mais là, on va être pas mal, hein. J'ai l'impression de voir, j'ai une drôle d'impression sur cette partie, c'est que ça se passe trop bien, en fait. J'ai l'impression qu'on a trop d'argent, qu'on a trop de paille, déjà trop de vaches. Il y a un truc qui, je suis sûr qu'il y a un truc qui m'échappe, comme dans tous mes let's play que je présente, voilà. Je fais un truc comme ça se passe très bien dans ma tête. Ah oui, d'accord, c'est bizarre ce truc là. Il n'y avait pas le petit bruit chelou. Ok, bon, je pense que c'est bon. Ouais, bref. Ouais, dans tous les let's play, ça se passe bien au début, jusqu'à ce que la fin je perde lamentablement. 853, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop, au dodoï. Ouais. Et là, on est le 10. On va voir. Peut-être, je crois qu'il y a quelqu'un qui va nous indiquer le festival. Non. J'oublie toujours de... Passe à l'atelier. En tout cas, ils sont activés, les deux autres bonhommes. Hop. Ah, ça m'étonne qu'il n'y ait personne qui nous indique le festival. Peut-être la veille pour le lendemain. Pas impossible. Ok. Tac. Hop. Bon, vous êtes plutôt mignonne. À part la petite fuite là. Vous restez bien dans votre truc là. Ah, j'ai pas vu du coup s'il y avait. C'était bon, ouais. C'est bien, c'est nickel.
Ah, je. Par contre, ça, je vois pas bien. Ouais, j'avais loupé. Hop, on attend un peu. Voilà. C'est vraiment bien vu cette petite animation quand même. Hop. Oh zut. Je t'ai loupé. J'ai voulu aller trop rapide. Et après, direction la montagne pour une petite surprise. Plus qu'un pouvoir récolter. Par contre, je sais plus où il est. Il va falloir chercher. Oh, ça va commencer à être la partie du ridicule de l'épisode. Bon bah du coup je vous avais promis de la dragounette, mais avec Eve, je pensais pas que vous alliez voter Eve en fait. Je pensais que tout le monde allait voter la rouquine en fait. Et je suis complètement foiré, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas au clin d'œil avec la binouze. Mais c'était bien vu, ouais, ouais. Une belle corrélation pour notre petit personnage. Alors, où est-il? Je crois bien qu'il est tout là-haut. Mystère. Où es-tu? Ah, il y a la rosette. Je crois bien que c'est là. Yes. Ça sent doux et bon. Eh non, on va pas manger. Alors c'est la Full Moon que s'appelle cette petite plante, qui est disponible uniquement pendant 3 jours. Cette petite plante, on peut l'offrir ou on peut la revendre. Elle se revend 300, je crois. Mais on est galant, allez. Bah c'est vraiment pas rentable de l'offrir en fait, hein, très sincèrement. Vu qu'en plus il y a des glitches, etc. C'est pas forcément intéressant de l'offrir. Enfin, c'est plus intéressant de la revendre. Ah, je peux pas faire select du coup. Oui, du coup, c'est fermé. J'appuie sur croix, il va le balourder comme un débile. Ah non, je voulais l'offrir à Eve. Je sais pas où elle est. Bon, on va le filer au marchand. Je crois que c'est là, hein. Oh. Oh lolo, c'est rare, tatata. Il nous explique, c'est une baie d'une full moon. Je te l'achète pour 600. Yes. Bon bah voilà. Il y en a qu'une, hein, si on y retourne, voilà. Une par jour en tout cas. Tic tic tic. Ça va être un peu tard pour le LSD. Bon. Puis on va tenter. Donc voilà une petite nouveauté. Bah j'ai voulu être sympa à l'offrir, mais tant pis pour moi. Hop, ça va être bon en fait. Oh, 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 oh. Yeah. Ok. Alors ça c'est du timing serré. Hop, nickel. Alors non, ok. Pourtant il se voit bien, ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais. Pourquoi il n'y a pas le petit son? Ah, parce que c'était en même temps que le fade out de la musique. Du coup, ça l'a coupé. Oh, j'avais vu cette mauvaise herbe. Ah, oh, mais j'ai oublié ça. Oh là là, le mec. Ah, oh, ben j'ai fait le travail qu'à moitié. Eh ben, plus qu'à moitié. Ah, c'est quoi ce travail? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Pourquoi j'ai pas fini? Ah ouais, bah on s'était quitté sur la... Oui, ok, je me souviens. On s'était quitté sur... Hop. La fatigue, notre personnage était mort, on n'avait plus d'énergie.
Et donc on s'était quitté dans la source et du coup bah j'ai repris de la source et j'ai spam et farm la montagne au lieu de revenir finir ici. Ok, je comprends mieux. Bon, on va profitons de ces journées qui passent à la vitesse éclair pour se charger de ça. Oh merde, j'ai bougé. Ensemble. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ouais, non, c'est bon. Et même encore un, je crois. Et après, je crois que c'est plus possible. On va essayer de faire celui qui est là-bas. Là. Nice. Bon, voilà, c'est bon. Ok, oui, bah j'avais complètement oublié. Bah, écoutez. Noob. Le plus total. Ah ouais, c'est vrai qu'ils travaillent comme des acharnés, ces mecs-là. Hop. Ouais. Ram. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir notre petit chien. Hey! Ah bah c'est lui. Alors, le Harvest Festival est demain. J'arrêterai de travailler plus tôt. Et rendez-vous donc au centre-ville à 3h de l'après-midi. Si tu as des animaux, tu ferais mieux de les nourrir avant parce que... voilà. Et je te livrerai, je t'apporterai quelque chose pour je sais pas quoi. Ok. Par contre, les mecs, là, vous avez arrêté de bosser, par contre. C'est pas fini. Ah. Petit bug du jeu, du coup. Vu qu'il y a eu l'animation du... Oh, yeah. Fast, ouais. Ok, on se calme. Et on brush. Et donc, Adic est passé adulte, hein, qu'on va devoir nourrir. Et hop, je regarde sur mon truc. Hop, pendant que je m'occupe des autres quand même. Pika revient ici. Voilà. Et donc, tac, tac, tac. Après, c'est uniquement, une fois que la vache est adulte, c'est uniquement 3 jours pour passer du small milk au medium milk. Donc voilà. C'est plutôt pratique. Dans 3 jours, Adi nous fera également du medium milk. Hop. Hop là. Donc là, ça nous fera, avec les deux médiums, ça nous fera 250 fois 2, 500. Ah fuck, faut pas que je bouge. Ah ben on voit quand même, ouais, il y a un petit skin différent, je sais pas si vous avez fait attention. La bouteille est nettement plus petite, et sur le médium, il y a on dirait un petit visage, un petit sourire, c'est bizarre. Donc ouais, c'est bien, j'avais bien eu l'impression que la traite donnait une bouteille beaucoup plus grande. Tac. Ouf, j'ai eu peur. Ouais, on va rester à 4 poules. Quoique. Je sais pas. Ouais. Ouais, on va faire ça. Je sais plus où est Eve. J'aimerais quand même, pour le principe, lui offrir une full moon. Oh. Est-ce qu'elle serait pas dans le coin? Non, elle doit être. Au pire, faut attendre. Wow, on n'est pas à quelques deniers près. Hein. Remarquez, j'aurais pas dû la jouer comme ça. J'aurais dû ramener quelques champignons et puis cueillir après. En tout cas, je sais pas si j'étais passé là. J'ai dû y passer, mais rapidement. Vous montrer cet endroit qui est quand même très très magnifique. On y reviendra, il me semble qu'il y a des events.
Don't Eat et on va essayer peut-être limite attendre devant le pub et puis lui offrir quand même. On va courtiser pas qu'avec des glitches. On va essayer de faire ça bien. Ouais, on n'est pas à compter nos centimes, donc ça devrait le faire. On peut se passer de tout ça. Et donc c'était elle, la petite fille, qui était venue nous acheter un œuf. Hello. Du coup c'est fermé, ouais. Faire un petit tour du village. Hop, ça fait longtemps. Il me fait trop peur ce gamin. Il est trop bizarre. Il est peut-être chelou. Et donc le festival aura lieu ici. À la manière du premier festival qu'on a pu avoir. Sauf que celui-ci c'est le festival des moissons. On va accélérer le temps. Yes. Hello. Bouge pas. Merci, il a l'air vraiment délicieux. Ok. Donc je sais pas combien exactement ça lui a rapporté de points, mais... C'est le festival, c'est le Harvest Festival demain. J'adore chanter et danser, c'est excitant. Ok, rien de plus. On avait pas trop parlé, le trivrogne là. C'est génial. Elle est partie, je peux relaxer comme je veux. Ouais. Ok, complètement bourré. Toi. Alors, mets les graines dans la shipping box, là, pour que je puisse les ramasser, les collecter. Ah, je peux pas m'empêcher de penser et de m'inquiéter pour Anne. Mr. Can, tu es du même âge que Anne. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Oh, je suis désolé. Je suis peut-être un peu confus. Ouais, t'as peut-être trop bu. Va lui dire, on s'en fout, c'est pas dans ce let's play, on va pas se la faire. Là, il nous explique que si on met des trucs dans notre shipping box, là, après ce passage, ça sera perdu. Voilà, c'est vrai que tous ces petits bonhommes nous font un petit peu le tuto si on leur parle. On n'avait jamais pris le temps, donc c'était l'occasion... Oh, on approche déjà cruellement de la demi-heure. Et je me sens l'âme d'un mesquin et de vous garder le Harvest Festival pour de prochain épisode qui ne sera pas demain, malheureusement. Le prochain épisode qui sera mardi, parce que demain, vendredi, je pars à Bordeaux pour le festival Animasia avec la team... Un clic, un jeu. On va couvrir l'événement. Et donc, eh ben, je serai pas là. Je serai pas là pour tourner. Je crois que c'est tout. Il y a que ça, machiné. Ouais, ça se machine pas. Ça non plus. Donc voilà. Donc je ne serai point là. Donc quelques jours sans épisode. Qu'on va couvrir ce festival. Cette convention, plus exactement, qui pour la première fois ouvre un espace dédié aux jeux de société. Donc, voilà. Évidemment, avec un clic un jeu et avec un stand qui habite à Bordeaux, on se devait de couvrir l'événement et aller voir un peu ce qui va s'y tramer. Donc, voilà pourquoi vous n'aurez point d'épisode. Ah oui, j'ai bien fait. C'est très bizarre cette image. Léo, c'est pour toi. Et voilà, on y est cette année, machin, le Harvest Festival. Ladies and gentlemen, avez-vous décidé qu'est-ce que vous allez amener au festival? Le festival est ouvert au public, machin, au square, enfin à la place centrale. Ça se termine là, il me dit que ça termine à 3h de l'après-midi. L'autre disait que ça commençait, je croyais. Enfin, peu importe, on y sera avant, quoi qu'il arrive. Et nous, on amènera évidemment
Full Moon. On n'est pas bébête. Et voilà. Petit cadeau. Voilà. Oui. Et voilà. Bonne nuit les petits, comme on dit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve mardi pour la suite de ce Let's Play. Bye.